Salut à tous les amis, bienvenue sur After Fight les amis. Les amis, comme d'habitude aujourd'hui, je suis accompagné de mon acolyte de toujours, Melki. Melki, comment vas-tu? Ça va bien et toi, Magie? La fin? Impeccable. Et aujourd'hui les amis, on a avec nous le triple champion, champion à l'Hexagone, champion au Bellator et champion du Cage Warrior, Karl Psycho Amoussou. Comment vas-tu, Karl? Salut les gars, ça va au top. Bonjour à tous. Karl, alors tu es combattant depuis 2006. Est-ce Ah, que ça me tu pourrais rajeunit nous pas, parler un petit hein. peu, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ta carrière, du point de départ jusqu'à aujourd'hui et ton évolution que tu as eue un petit peu? Ouais, bah écoute, la carrière, elle est longue, hein, elle est longue. Il y a trois points, peut-être trois points principaux dans la carrière, à savoir que bah, j'ai commencé en 2006, donc ça fait longtemps. Je fais mon premier combat pro à l'âge de 20 ans, j'en ai 36 aujourd'hui, donc ça fait 16 ans. C'est long, c'est long, c'est une carrière qui était dont je suis content, qui s'est très bien passée avec, bah, comme dans toute carrière, des périodes très belles, des périodes moins belles, des périodes plus difficiles. Et voilà, et puis sur le chemin, des succès, des défaites aussi, mais des défaites qui ont été des défaites constructives toujours, des succès qui ont été aussi vraiment, vraiment top. Je pense notamment aux trois principaux titres que j'ai gagnés, à savoir le tournoi du Bellator en 2012, ça fait 10 ans déjà. Comment dire, le titre du Cage Warriors, et puis la ceinture de l'Hexagone récemment, qui était aussi un bon retour après une période difficile, après presque 3 ans sans combattre. Donc ouais, il y a eu la carrière est longue. Je vais pas détailler les combats, mais il y a eu 38 combats. 38 combats, j'ai 28 victoires, dont 24 finishes, 20 finishes au premier round. Je suis le welterweight français le mieux classé de tous les temps, avec une 24e place mondiale en 2012. Et puis, bah bien l'intention de revenir très très haut dans les classements mondiaux. Puis j'ai un beau challenge qui m'attend à la reset avec Abdul, justement. Donc je pense que c'est de ça Justement, qu'on va parler aussi. c'est ça exactement. Justement, pour toi, l'année 2021, tu as combattu trois fois. Tu as eu trois victoires, notamment la dernière face à André Santos par soumission au premier round. On peut clairement dire que l'année 2021 a été synonyme de prospérité. Ouais, l'année 2021, elle a été prospère, elle a été couronnée de succès avec un beau point final à l'année avec l'obtention d'une ceinture. Mais c'est pas tellement l'année 2021 qui compte, c'est en fait la construction de cette année 2021, c'est ce qui s'est passé avant. C'est la constitution de mon équipe Strike Academy à Genève, qui est de loin la meilleure équipe. En Suisse romande, voire en Suisse, il y a aussi une très grosse équipe qui est la Fight Move Academy. Donc, bon, on est clairement les deux meilleures équipes suisses, la Strike Academy et la nôtre. Et puis c'est bien, il y a même pas de concurrence, j'ai envie de dire. C'est voilà, c'est deux équipes qui sont pas aux mêmes endroits, mais qui fonctionnent très bien. Et puis notre équipe grossit. Je suis coach aussi pour les pros, avec de très bons combattants. Et voilà, ça se passe super bien. Donc, c'est la construction de tout ça qui a amené aujourd'hui à rebondir après des défaites, après des choix qui ont été faits dans ma carrière, qui m'ont des mauvais choix aussi, enfin des mauvais choix, des choix que j'assume et qui ont entraîné des conséquences, comme c'est toujours le cas dans la vie, hein. Et après, il a fallu se réadapter, il a fallu se réadapter, il a fallu rebondir. Et voilà, je suis dans le rebond et je compte continuer l'ascension. Moi, j'avais une question. Comment tu as commencé le MMA, en fait? J'ai commencé, en fait, j'ai commencé, je regardais les Pride à l'époque. Je regardais les Pride à l'époque et puis mon frère aîné a commencé à entraîner aussi en MMA. Et puis, je voulais être champion du Pride. C'était mon truc. Et puis, j'étais fan d'un certain Brésilien qui s'appelle Wanderlei Silva. Et très rapidement, après mes débuts, je suis allé m'entraîner là-bas à la Shooté Box pendant 3 mois. Et puis, à mon retour de la Shooté Box, j'étais prêt pour combattre. Et c'est là que j'ai fait mon premier combat. D'accord. Et tu parlais du Strike Academy. Ton équipe, c'est ça, c'est ton club C'est de boxe, ça, de MMA. de MMA. Pourquoi avoir choisi ce club? Pourquoi avoir choisi ce club? C'est bah, tout simplement parce que bah, c'est un club qui porte un autre nom quand j'ai rejoint, c'était New Nation à l'époque. Et puis,
En fait, avec le boss de la salle qui s'appelle Kevin Leon, on a décidé de monter une véritable section pro. À la base, je suis arrivé à New Nation à l'époque en tant qu'élève, et puis rapidement, j'ai pris le lead en tant que coach. J'ai pris le lead en tant que coach, et puis voilà, c'est comme ça s'est fait tout naturellement. Ça s'est fait tout naturellement. L'équipe, on a commencé, on était quatre à s'entraîner. Quand il y avait deux mecs qui n'étaient pas là parce qu'ils bossaient ou autre chose, on était deux à l'entraînement. Donc, on a commencé comme ça il y a 2 ans. Et puis aujourd'hui, on est, je sais pas, une quinzaine à chaque entraînement. Et l'équipe fonctionne super bien. Tu n'as jamais changé de club malgré les défaites que tu as pu avoir dans ta carrière. On sait que des fois, tu as des Si, remises si, en question. j'ai beaucoup changé de club. J'ai beaucoup changé de club. J'ai commencé dans un petit club à Pavillon-sous-Bois. Ensuite, je suis parti pendant longtemps à haute tension avec le regretté Jean-Marie Mercier. Après ça, je suis parti à l'American Top Team à Miami. Ensuite, je suis revenu, je suis allé au CrossFight, que vous connaissez peut-être pas. Le CrossFight, c'est l'ancien. À l'époque. Exactement, c'est l'ancien Factory. J'ai fait peut-être 5 ans là-bas. Peut-être 5 ans là-bas. Et c'est mes années les plus successful, les plus prolifiques en termes de performance et puis d'apprentissage aussi. J'ai vraiment appris beaucoup. C'était excellent. Et ensuite, je suis arrivé en Suisse. Alors là, c'était autre chose. C'était la catastrophe. Là où j'ai atterri. Puis, et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai eu. Enfin, c'est pour ça. C'est une des grandes raisons qui font que j'ai eu deux défaites, parce que l'encadrement était juste horrible sur plein de plans. Voilà. Donc, et puis c'est comme ça que je suis arrivé à la Strike Academy. Et là, c'était autre chose. J'ai pris un élan nouveau. On a mis 3 victoires en place. J'ai été encadré par des gens absolument formidables, qui m'ont aussi redonné foi en l'être humain parce que je l'avais perdu. Et ça fait du bien. Ça fait du bien d'avoir des gens qui sont des gens bien. Je pense à tous mes coachs, en fait. À Christophe Rim, à Anthony Perez. Christophe Rim, mon coach de boxe anglaise avec lequel j'ai fait un travail incroyable. À Jay. Voilà, à Fabien Tsalikis, à tous ces gens qui sont autour de moi, mon kiné François Nimon, enfin, j'ai vraiment tout un staff, j'espère que j'ai oublié personne, j'ai vraiment tout un staff autour de moi qui est génial, qui est génial et qui me pousse. Et bien sûr, Guillaume Pelletier qui a été quelqu'un d'extrêmement important parce qu'il a eu confiance en moi et qu'on allait chercher des challenges ensemble. Et que bah, il a vraiment grandement, très très grandement contribué à me remettre le pied à l'étrier, tout simplement. Bah, en fait, sans tous ces gens-là, j'ai pas envie de dire une personne en particulier, mais sans tous ces gens-là, je serais pas là où je suis aujourd'hui. Et c'est quelque chose qui est important aussi. Il faut pas oublier que bah, dans une carrière, on n'est pas tout seul. Quand on gagne, on doit être ensemble. Quand on perd, on doit être ensemble aussi. Et c'est important de ne pas se détourner des gens qui sont là. Et je dis ça, pourtant j'ai changé d'équipe, mais j'ai changé d'équipe à chaque fois pour des raisons. C'est pas pour des embrouilles. Hein. C'est parce que parfois il y a une limite technique, parfois, bah, comme quand je suis parti du Factory, c'était parce qu'il y avait une opportunité en Suisse que je ne pouvais pas laisser passer. En tout cas, c'est ce que je considérais à l'époque, et puis je ne regrette pas de l'avoir fait. Là où j'en suis aujourd'hui m'a donné raison, même si l'entraînement, c'est le meilleur entraînement que j'ai connu de ma carrière. Hein. Je le dis sans aucun problème. Lopez a été de loin le meilleur coach de MMA que j'ai jamais eu de ma carrière, et ça sera certainement jusqu'à la fin. Je suis très reconnaissant pour ça aussi. Mais je ne regrette pas d'être parti. J'avais mes raisons à l'époque et voilà. Je pense qu'il faut être en accord avec les choix qu'on fait. Il faut les assumer. Et même si bah il y a eu des rebondissements un petit peu fâcheux pour moi, je suis revenu et puis je suis revenu de la bonne façon. Et ça montre aussi une grosse force de caractère et ça montre une capacité à jamais lâcher l'affaire. Et de toute façon, si je suis là après 16 ans de carrière, c'est que je suis pas un mec qui lâche l'affaire. Et justement, tu me permets de rebondir sur ça. On sait que tu as énormément de caractère et que tu es un combattant qui cherche continuellement à s'améliorer. J'ai encore cette anecdote par un stage au Brésil à l'Académie à Shootbox pendant 3 mois où tu avais économisé, je crois, un travail dans la sécurité pour pouvoir te déplacer au Brésil. Et ensuite, tu te rends à l'American Top Team pour performer là-bas et t'entraîner là-bas. Comment tu te nourris de ces expériences à l'étranger sur le plan à la fois humain et sportif? Qu'est-ce que tu en tires, toi, juste après ça? Bah, comment je me nourris? Le fait, c'est pas tellement le voyage qui fait que je me nourris, c'est la sortie de la zone de confort. C'est voilà, aller chercher des trucs durs, aller chercher de l'expérience, et puis être humble, en fait. Être humble face à quelqu'un qui est meilleur que toi.
apprendre face à un mec, être capable de, entre guillemets, mettre une ceinture blanche, tu vois, entre guillemets, mettre une ceinture blanche, que ce soit en jiu-jitsu, en muay thai ou quoi, puis apprendre, et puis te faire casser la gueule par des mecs qui sont plus forts que toi, et revenir, et pas les lâcher, et jamais, jamais lâcher, en fait, revenir à chaque fois plus fort, te faire démonter, revenir encore, jusqu'au moment où tu vas commencer à t'approcher du niveau de celui qui t'a battu pendant tant de temps. Et moi, je suis toujours allé chercher les mecs plus forts, en fait. Je suis toujours allé chercher les mecs plus forts, j'ai toujours aimé ça. Et ça m'a toujours stimulé. Et par rapport à ça, toi, tu es né dans une famille, on peut dire, de combattants, parce que tu as eu un papa qui était professeur de judo. Ton frère Bertrand a été lui également champion du monde. Est-ce qu'on peut dire que tu as été conditionné à devenir le combattant que tu es aujourd'hui? Donc est-ce que j'ai déconditionné? T'es forcément conditionné, hein. Il n'y a pas que Bertrand et mon père d'ailleurs, hein. On est une famille avec beaucoup de frères et sœurs, et mon plus grand exemple, ça a été mon frère Wolf, mon grand frère Wolf, qui a été champion de France et champion d'Allemagne de judo, qui a participé au tournoi de Paris, enfin qui a été un grand judoka et qui m'a beaucoup inspiré de par sa force de caractère. C'est vraiment de lui que je tire cette force de caractère et ce mental inébranlable à toute épreuve. Wolf, il me forçait à m'entraîner quand j'étais gamin, enfin à m'entraîner, je m'entraînais, mais à m'entraîner comme lui s'entraînait, c'est-à-dire on se tapait des missions, on allait faire des footings où on se tirait la bourre quand j'avais juste 13 ans, et je pleurais au début parce que c'était dur, mais il me forçait et je voulais le battre, et je finissais avec la rage en me disant que j'allais vraiment le battre en fait à chaque fois. Et il me battait, j'ai envie de dire, il me battait 30 fois sur, il me battait 29 fois sur 30, sauf qu'à la 30e, je l'ai battu. Et c'est comme ça, en fait, c'est comme ça que j'ai. Wolf, il m'a poussé dans mes retranchements depuis le plus jeune âge, et c'est lui qui a créé ma force de caractère, vraiment. Lors de ton dernier combat, j'ai pu voir sur ton Instagram ta fille qui t'attendait, je crois, c'est à l'aéroport. Enfin, j'avais vu une À la story gare. vraiment très touchante. Je voulais savoir comment tu abordes les combats, en sachant que ta fille aujourd'hui, je pense qu'elle comprend que son père prend des coups, qu'il va combattre. Est-ce que ça te met une pression? Ouais, ça met une pression. Ça met une pression. En fait, moi, j'ai eu très peur avant d'avoir ma fille. J'ai eu peur de décrocher mentalement. J'ai eu peur de décrocher mentalement parce que je sais comment je suis. J'ai beaucoup de recul sur la personne que je suis, en fait. Je me connais très bien. Donc, je sais comment je suis et j'avais peur que ça m'affaiblisse. J'avais peur que ça m'affaiblisse. En fait, non, ça ne m'a pas affaibli. Je ne dirais pas que ça m'a rendu plus fort non plus. Mais ça m'a peut-être rendu plus déterminé, encore que je l'étais. Et pourtant, j'étais déterminé. Mais ça m'a certainement rendu encore plus déterminé. Et ouais, en fait, j'ai gagné jusqu'à ces 1 an et demi, j'ai gagné tous mes combats. Enfin, je crois que j'ai dû en faire deux ou trois pendant la première année de sa vie. Bien entendu, elle comprenait absolument rien à ça. Puis j'ai eu une période de. Donc j'ai eu deux défaites. Elle comprenait toujours pas parce qu'elle était toujours petite. Et puis j'ai eu 3 ans d'arrêt. Et les premières victoires, en fait, elle est peut-être la raison pour laquelle je suis revenu au combat. Parce que je m'exprimerai à ce sujet plus prochainement, mais j'aurais pu tout arrêter, en fait. J'aurais pu tout arrêter pour beaucoup de raisons, parce que j'ai vraiment traversé des trucs sombres. Et j'aurais pu tout arrêter, en fait. Mais parce que je suis un mec qui n'a jamais l'affaire, il était hors de question que j'arrête. Et pour ma fille, en fait, il était hors de question que j'arrête. Parce que le dernier combat que j'ai perdu, je fais pas le mec qui cherche d'excuses, hein, mais c'était pas moi. De toute façon, il n'y a pas besoin d'être expert. Le mec qui connaît mon style, qui regarde ma dernière défaite, il dit, mais c'est qui le mec qui est en train de combattre? C'est pas Karamoussou. Et en fait, ce combat, je l'ai perdu, et je pouvais pas accepter que le dernier souvenir de la carrière de combattant, que mon dernier souvenir de la carrière de combattant aux yeux de ma fille, soit cette défaite par KO. Et comme je dis toujours, j'en prendrai encore des défaites. Moi, je suis lucide là-dessus, il n'y a pas de problème. Alors, on m'a jamais battu pendant toute ma carrière, j'ai jamais perdu un combat facilement. Chaque combat, ça a été une guerre, mais là, la façon dont j'ai perdu, non. Pas comme ça. Et je ne mets pas fin à ma carrière comme ça. Donc, c'était hors de question. Donc, il fallait revenir. Il fallait revenir, même si c'était pour faire juste un combat. Même juste un combat, ça m'allait, entre guillemets. Sauf que tu fais un combat, puis tu en fais un autre. Et t'en fais encore un autre, et tu vois que t'es encore au top de ton game, en fait. T'es encore au top de ton game,
et à 36 ans, je continue de progresser, que je suis plus fort à 36 ans que quand j'étais numéro 24 mondial en 2012 et que j'ai remporté le tournoi du Bellator. Aujourd'hui, je suis plus fort que je l'étais à l'époque. Et voilà, en fait, bah, ma fille, j'ai pas répondu à la question, du coup, j'ai fait un grand détour. Mais ma fille, ouais, elle m'a vu gagner, elle m'a vu rentrer avec la ceinture, elle a pleuré de joie. À 50, c'est un truc assez peu commun de pleurer de joie. Et c'était un moment incroyable. Pour moi, c'est le meilleur souvenir de ma carrière. C'est le meilleur souvenir de ma carrière parce que déjà, je me suis vengé de ce qui m'est arrivé. J'ai vengé l'honneur de ma femme, j'ai vengé l'honneur de ma fille. Et j'ai dit à ceux qui ont cherché à m'atteindre, bah regardez, non seulement je suis encore debout, mais en plus je vous emmerde. Et je vous regarde bien droit dans les yeux et je vous le dis, je vous emmerde. Personne ne me fait mettre un genou à terre. Donc voilà, là je parle, c'est vague pour ceux qui ne savent pas, mais ceux qui savent, déjà non seulement se reconnaîtront, mais en plus entendront très bien le message. Et puis c'est pas juste faire passer un message, c'est revenir avec la tête haute et avec des performances. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses. On va passer aux choses très sérieuses parce que j'ai un adversaire plus que sérieux qui m'attend. Je sais qu'il va s'entraîner dur, je sais qu'il va très bien se préparer. Et il faut qu'il soit prêt pour la version la plus dangereuse de Karl Lamoussou. J'ai Ouais. combattu. Je vais peut-être vous laisser poser les questions. Juste avant, Tu vois, avant de parler. tu nous as tendu la perche Ouais, directement. c'est ça. Mais Voilà. moi, juste avant Prochain de parler de combat. cet adversaire, juste avant de parler de cet adversaire, je voulais te demander qu'est-ce qui te manque aujourd'hui pour aller à l'UFC? Est-ce que c'est cet adversaire, justement, c'est ce combat dans cette organisation qui te permettrait de te propulser, justement, d'aller à l'UFC? Parce que je pense que, est-ce que déjà pour toi, c'était un objectif d'aller à l'UFC? Tout Tu le parlais monde du prêt. sait que ça a toujours été un objectif. Tout le monde sait que ça a toujours été un objectif pour moi. Et tout le monde sait aussi que c'est pas normal que je n'y sois jamais allé. Au vu de mon ranking français, j'étais, je crois, numéro 1 pendant 6 ans. Aujourd'hui, je suis numéro 2. Mais j'arrive, Abdul. Aujourd'hui, je suis numéro 2. Tout le monde sait que, au vu de mon classement, etc., j'aurais dû aller depuis longtemps, au vu de mes accomplissements. C'est pareil, j'ai jamais gagné des combats avec un style ennuyant. Sur 24 finishes, j'en ai 20 au premier round. C'est en termes de stats, c'est un peu ouf en fait. Quand t'as pas beaucoup de mecs, je pense, dans le game, qui ont 20 finishes au premier round. Sur 24 finishes, 20 en premier round, ça veut dire ce que ça veut dire. Donc, ouais, maintenant, oui, bien sûr que. Dans un petit coin de ma tête, je rêve toujours du UFC. Après, je suis aussi lucide, j'ai 36 ans. Je sais que j'ai plus de 10 ans devant moi, mais je sais aussi que je suis au top de ma forme et que bah, je suis au top de ma forme. Ah oui, dans mon encadrement, j'ai oublié, très important, j'ai oublié Mohamed Benzian, mon nutritionniste, qui a un rôle super important à jouer. Pourquoi je le cite justement? Parce que je dis que j'allais dire que la nutrition a joué un rôle extrêmement important dans ma performance. Dans ma performance. Et grâce à Momo, justement, bah, voilà, je me suis vraiment développé, que ce soit physiquement, mentalement, ça m'a aidé sur plein de plans. Voilà, donc la question c'était, je me suis perdu. C'était si tu souhaites justement Ah oui, l'UFC. aller à l'UFC. Oui, bien sûr. Voilà. Alors, bien sûr que je souhaite y aller, bien sûr que je souhaite y aller, mais maintenant, moi, ma question, c'est pas est-ce que cette victoire va me permettre d'y aller? Ma question, c'est, il y a un mec en face de moi, et ce mec, je lui dois le respect, tout comme lui me doit le respect. Et le respect, c'est de dire, OK, il y a un obstacle à passer. Et c'est pas un petit obstacle, c'est un gros obstacle, mais c'est un obstacle que je compte traverser. Voilà, c'est aussi simple que ça. Il m'arrêtera pas. Il m'arrêtera pas. Après, advienne que pourra. Advienne que pourra. Moi, j'ai arrêté d'attendre après l'UFC. J'ai arrêté d'attendre. Si ça vient, c'est super. Si ça vient pas, bah, franchement, je suis fier de ma carrière. J'ai eu une super carrière jusqu'à aujourd'hui. Et je combats avec beaucoup moins de pression. Je combats avec beaucoup moins de pression que. Je combats avec beaucoup, beaucoup moins de pression qu'avant. Et je suis prêt à crever dans la cage. Et ça, c'est pas un petit détail. C'est qu'en fait, moi, je vais aller là-dedans. Abdul, il faut qu'il soit prêt. Parce que je vais lui livrer le combat de sa vie. Je vais lui livrer le combat de sa vie. Moi, il n'y a pas de problème. Tous ceux qui me connaissent savent que je suis un animal. Je sais où il va aller me chercher. D'accord? Je sais où il va aller me chercher.
Il sait où je vais aller le chercher aussi. Il est coaché par Lopez. Il n'y a personne dans le game qui me connaît mieux que Lopez. Lopez, il va lui faire le meilleur game plan qu'il aura de sa carrière. Donc, qu'il profite bien de ce game plan, qu'il le lise bien. Il va lui dire, fais gaffe, Karl, il va t'attaquer sur la clé de talon à gauche. Il va que de ce côté-là. Tu tournes comme ça, tu fais ça. Je sais, j'en ai rien à foutre. Je peux le dire. Tu vois, normalement, je devrais dire, ah, ok, non, au cas où il pense pas lui dire, il va tout lui dire. Mais fais attention, il a un kick jambe gauche, il a les genoux, il a les trucs. Je sais exactement ce qu'il va lui dire. Je sais aussi comment il joue sur la communication. Lopez, il est fort. Le truc, c'est que je connais Lopez aussi bien que lui me connaît. J'aime beaucoup Lopez. Je souris en l'écoutant parler de moi. Là, il y a une interview qui est sortie sur la sueur, là, tout à l'heure. Et en fait, je souris en l'écoutant me parler de moi parce que je sais exactement ce qu'il pense. Je sais comment il maîtrise la communication. Je sais les fausses infos qu'il balance. Je sais tout ça. Je sais les fausses infos qu'il balance pour me faire penser que, attention, Abdul, il va travailler de telle façon. Et en fait, bam, tu te prends le truc opposé. Je le connais par cœur, il me connaît par cœur. Donc, il n'y a pas mieux de faire un game plan que de faire un game plan contre quelqu'un que tu connais par cœur. Je sais que ça, il va regarder ce que je suis en train de dire. Il sait que moi, je regarde. Donc, c'est un combat qui est au-delà de juste de Abdul. C'est au-delà de juste Abdul. Voilà, j'ai deux adversaires. Non seulement j'ai un adversaire très fort, mais j'ai son coach qui me connaît et qui a fait une grande partie du combattant que je suis aujourd'hui. En tout cas, qui a contribué grandement à améliorer beaucoup de points, qui connaît ma psychologie, qui sait où j'ai des doutes, qui sait où j'ai une certaine assurance, mais qui ne sait pas, mais Ça qui ne sait fait pas pas, tout. mais qui ne sait pas exactement par quoi je suis passé et comment j'ai évolué sur les dernières années, à part les informations que moi j'accepte de donner publiquement. Parce que tout ce que je dis aussi, je sais ce que je dis, et je sais les informations que j'ai envie de lâcher. Donc, c'est très intéressant, mais moi, je suis plus le même combattant. Déjà, j'ai plus cette pression. Lopez, il m'a connu où avant chaque combat, j'avais peur. Mais pas j'avais peur du mec. J'avais juste tellement peur de perdre parce que je savais que la défaite, c'était plus du UFC. Aujourd'hui, je vais pas dire je m'en fous parce que ça serait mentir. Mais hey, tu sais quoi? Moi, j'ai un mec à taper et je vais tout faire pour qu'on aille le taper. S'il y a l'UFC qui vient après, c'est super. S'il n'y a pas l'UFC, eh ben, comme je disais, j'aurai une magnifique ceinture autour de la taille. Et puis, si j'ai pas la ceinture autour de la taille et que je ne gagne pas ce combat, eh ben c'est pas grave, on ira en gagner d'autres. C'est pas grave. C'est toujours grave pour moi. Mais c'est beaucoup moins grave que ça l'aurait été à une époque de perdre un combat. Parce que si je devais perdre ce combat, et tu vois, même ça, c'est un truc que j'aurais même pas dit avant. J'aurais même pas émis l'éventualité, quel que soit l'adversaire, hein, c'est pas parce que ça boule. Mais avant, j'aurais même pas dit si je devais perdre ce combat. Mais effectivement, si je devais perdre ce combat, ça serait en mode guerre totale, parce que je vais livrer une guerre totale à Abdul. Abdul, je pense qu'il ne sait pas à quel point je suis un animal mentalement. Qu'il ne se fie surtout pas au combat qu'il a pu voir contre Cavalheiro, où j'ai pris un KO, où j'ai fait le mec fragile. Qu'il ne se fie surtout pas à ce combat. Il faut qu'Abdul sache que je viens comme le plus gros guerrier qu'il a affronté. Et que ça va frapper fort. Je sais où il va aller me chercher. On va se préparer en conséquence. Et on va améliorer chaque partie de mon game. Tout comme je sais que lui va améliorer chaque partie de son game. Je le sais. On sait ses points forts. On connaît les miens. Donc, soyez au rendez-vous. Parce que Arès 7, les gars, le 25 juin, je peux vous dire que ça va être quelque chose. Et tu disais que face à Abdouraguimov, tu vas apporter la meilleure version de toi-même. Est-ce que tu penses que à ce tournant de ta carrière, c'est l'un des plus gros défis que tu as eu depuis le début? Sans aucun doute. Sans aucun doute. C'est l'un des plus gros défis. Abdul, c'est un combattant qui, dans tous les cas, ira très loin. C'est évident, surtout avec l'encadrement qu'il a au Factory. Il peut pas avoir mieux en France. Il ira très loin, il n'y a aucun doute là-dessus. Un truc aussi que j'apprécie beaucoup, et je tiens à le dire quand même, c'est l'ambiance qu'il y a entre Abdul et moi. C'est-à-dire que j'ai beaucoup aimé comment ça s'est passé. C'est pas la peine de faire du cinéma entre guillemets. Et puis moi j'ai évolué aussi en tant que combattant. J'étais beaucoup plus agressif tout le temps. Enfin après ça dépend aussi de l'adversaire, hein, mais tu vois j'ai trouvé ça cool. J'ai trouvé ça cool que ça se passe comme ça parce que ça nous empêchera pas de faire la guerre ni lui ni moi.
Mais il y a eu beaucoup de respect et c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. On s'est d'ailleurs revu après, on s'est rechecké, on a discuté 3 minutes. Et tu sais, c'est cool aussi d'aller au combat et de te dire, ah, je vais pas avoir un mec relou là qui va me regarder de travers dès que je vais passer, tout ça. C'est bon, c'est cool, tu vois, on va se checker. Et quand la cage elle sera fermée, là, on passera aux choses sérieuses. Mais voilà, donc, tout ça pour dire, tu disais, est-ce qu'Abdul est l'un des plus gros défis de ma carrière? Certainement, certainement, certainement. Et justement, c'est ce que je voulais. Moi, ça m'excite d'avoir un mec de ce niveau. Je serai le challenger sur ce combat. Je vois un peu ce qui se dit. Abdul, c'est une machine au sol, c'est une machine en lutte. C'est vrai, il l'est. Mais les gars, faut pas oublier mon niveau au sol. Il faut pas oublier mon niveau au sol. Parce que c'est assez drôle, en fait, cet univers du MMA. Parce que je suis un striker offensif, agressif et que je mets des KO sales. Les gens ont tendance à penser que je suis un mec du pied-point. Les gars, je suis un grappleur. Faut pas oublier ça. Et je suis un grappleur qui a un striking dangereux. Mais mes stats, tu regardes mes stats, je crois que je suis à 13 ou 14 victoires par soumission. Et 8 par KO ou TKO. Donc, j'ai des stats de grappleur. Plus que, en fait, j'ai des stats de combattant complet. Mais au sol, moi, je ne crains personne. On sait très bien qu'Abdoul a des gros contrôles et que c'est là qu'il est très fort, qu'il prend le dos. Maintenant, je pose la question, est-ce que on m'a déjà vu donner une fois le dos dans un combat? La réponse, c'est non, jamais. Pas une fois. Pas contre Askren, qui m'a rempli, contre lequel j'ai fini avec 37 points de suture au visage. J'ai pas donné le dos. Parce que je fais pas partie de cette catégorie de gens qui baissent sa tête. Et ça, là, je parle du combat, je parle, mais aussi dans la vie, c'est la même chose. Je fais face tout le temps. Donc, je donne pas le dos. Donc, Abdoul, t'auras pas mon dos. Karl, on arrive en fin d'interview. J'ai une petite question. On sait que le MMA a été légalisé il y a quelques années en France. Toi, comment tu juges cette évolution au niveau français, que ce soit au niveau des combattants, mais aussi des organisations? Bah c'est forcément une super bonne chose. C'est forcément, enfin, c'est impossible de te répondre autre chose que te dire que c'est une bonne chose. C'est évident, c'est évident. Pour moi, c'est aussi évident que c'est triste que ça a été légalisé si tard, qu'on ait mis autant de temps pour enfin se dire, ah, mais en fait, le MMA, c'est un sport, c'est pas que deux barbares qui se battent dans une cage. Donc, voilà. Ce qui est cool, c'est qu'on est aidé par des gens qui donnent une image absolument, absolument, positive du MMA et des combattants. Et je pense à une personne en particulier, je pense à Cyril Gane. Je pense à Cyril Gane, j'allais dire pas parce qu'il a combattu pour la ceinture UFC, mais forcément, c'est ça qui donne la lumière. Mais parce que le mec, il a une personnalité incroyable. Et L'image du combattant. ça fait du bien de voir quelqu'un comme lui, qui est un peu notre porte-drapeau, parce que c'est forcément l'athlète français le plus, qui a le plus haut niveau aujourd'hui. Et ça fait du bien. Ça fait du bien de voir des gens comme lui avec un tel état d'esprit. Tu vois, un Nassourdine Imavov, par exemple, avec déjà une très belle qualité technique, mais une telle humilité. Et on est aidé par des gens comme ça. Moi, j'ai rencontré Cyril Gane d'ailleurs pour la première fois ce week-end. Bon, forcément, on se connaît, hein, par truc interposé, mais directement, on s'était jamais rencontré. Et puis, pour moi, il a simplement confirmé ce que je pensais de lui, à savoir que c'est un putain de mec. Et je l'ai d'ailleurs remercié pour ce qu'il faisait pour le MMA français, parce que, bah ouais, un mec comme Cyril Gane, j'ai envie de dire, c'est presque le porte-drapeau parfait pour porter très haut l'étendard du MMA français. Et voilà, c'est une fierté de voir que tu as des gens comme ça qui te représentent, entre guillemets, parce qu'aujourd'hui, c'est lui le plus gros combattant. Et ça fait du bien, ça fait du bien au MMA, ça fait du bien pour notre image, parce que si Cyril Gane, c'est un mec avec une mentalité complètement différente à ce niveau de compétition, malheureusement, il y aurait des retombées négatives sur nous. Et par son attitude, il tire aussi les gens vers le haut. Et ça, c'est super. Je voulais te poser une petite dernière question. Est-ce qu'il y aurait un combattant, toute organisation confondue, que tu aurais souhaité affronter? Un nom. Non, j'ai pas particulièrement un combattant j'ai pas particulièrement un combattant que je souhaiterais affronter. Moi, je veux affronter les meilleurs. Je veux affronter les meilleurs. J'aime bien un style à la Masvidal. J'ai eu l'occasion de tourner pas mal avec Masvidal. Ça, c'est un style qui me convient bien, que j'aime bien. Mais j'ai pas.
Ouais, lui, c'est un mec contre qui je me verrais bien faire un combat. Et aussi par rapport à ce que je sais de nos entraînements communs à l'American Top Team à l'époque. Mais non, aujourd'hui, j'ai pas. En fait, c'est très simple. Il y a un objectif. L'objectif, c'est Abdul. Donc, je pense à personne d'autre. J'arrive même pas à me conditionner, à me dire, ah, tiens, j'aimerais bien l'affronter lui. Là, il y a suffisamment à faire avec un mec comme Abdul. Tu commences à se disperser et dire, ah, tiens, j'aimerais bien l'affronter lui si j'allais là-bas, si j'allais à l'UFC. Non. Step by step, on prend un adversaire à la fois. Et puis une fois qu'on aura passé l'étape Abdul, bah on se concentrera sur la suite. Là, pour l'instant, j'ai un gars à prendre très très au sérieux. Il aura la meilleure version de Karl Amoussou et on sera prêt. Ça marche. En fin d'interview, chez After Fight, on a un petit questionnaire de 5 questions pour nos auditeurs. Est-ce que tu es prêt, Karl? Suis prêt. Kamaru Usman ou Georges St-Pierre? Genre Saint-Père. KO ou soumission? KO. Face à Abdul, ton KO. pronostic? KO. iPhone ou Samsung? iPhone. Plutôt Snapchat ou Instagram? Je suis vieux, moi. Snapchat, je connais pas ça. Ça, c'est juste pour choper des meufs. Non, Instagram. Et ton repas préféré après le combat? Bonne pizza. Ça marche. Bah écoute, on te remercie pour cette interview. Si tu as un mot de la fin pour nos auditeurs et pour les gens qui te suivent, Bah, c'est. merci les gars pour le soutien. J'ai reçu beaucoup de soutien hein, ces derniers temps et ça fait vraiment plaisir de voir que les anciens qui m'ont connu au début suivent, qu'il y a des nouveaux qui me découvrent et qui suivent aussi et c'est cool. Merci beaucoup à vous et soyez au rendez-vous le 25 juin parce que il y aura de la dynamite. Ça va être très très bon, gros fight avec un adversaire voilà très respectable qui mérite qu'on le soutienne aussi. Donc, soutenez aussi Abdul, soutenez-moi aussi, et on va vous faire une guerre de malades. On va vous faire une guerre de malades, donc soyez au rendez-vous. Ok, les gars, 25 juin, soyez là. Merci.